Le tourisme étant reconnu comme l'un des trois piliers majeurs sur lesquels reposeront les bases du redressement de l'économie nationale, l'impulsion d'une nouvelle dynamique pour honorer cette responsabilité s'impose. À cet effet, le ministre du Tourisme et des Loisirs, Destiné Ermila Doukaga, a tenu à partager la vision du chef de l'État aux opérateurs économiques de Pointe-Noire évoluant dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et des loisirs. Il s'agira pour vous et nous de nous inscrire sur une même dynamique en termes d'information en lien avec la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, sur le modèle qu'il entend attribuer au secteur touristique, ses vecteurs et ses incidences au regard des aspirations de son projet de société. Ensemble, poursuivons la marche. Un ambitieux programme dont l'enjeu majeur orbite autour de la relance de l'économie nationale. Destiné Ermila Doukaga invite ses partenaires à garder la tête haute en dépit des secousses causées par le coronavirus. Nous avons par exemple pour objectif de relancer la contribution du tourisme et de l'hôtellerie à la richesse nationale de 2,4% en 2017 à environ 10% dans les 5 prochaines années. Le succès d'une telle ambition exige aussi qu'une discipline de fer soit de mise entre partenaires. Les agents du ministère du Tourisme et des Loisirs, sous la supervision de Destiné Ermila Doukaga, procéderont d'ici peu à un recensement général des établissements d'hébergement, de restauration et des loisirs de Pointe-Noire et ses environs en vue d'établir une cartographie numérique de suivi de leurs activités.